Le territoire du Val d'Europe séduit depuis plus de 20 ans. Des entrepreneurs audacieux et visionnaires ont fait le choix de s'y installer en pionnier. Ça fait une vingtaine d'années maintenant que je manage des équipes. Et donc, automatiquement, lorsque j'ai réfléchi à m'implanter au Val d'Europe, c'était aussi un parcours avec des choix. Ce que je vise, et ce que je pense vise un groupe comme AG2R La Mondiale en s'implantant sur un territoire nouveau, c'est la pérennité de notre relation et la relation de proximité. Sur le plan, quand j'ai vu que l'immeuble Le Plaza allait sur la place d'Ariane, forcément, c'est the place to be, donc je voulais y être. Et j'avais le choix de prendre mon bureau face à la place d'Ariane ou mon bureau accès terrasse. J'ai pris l'accès terrasse pour deux raisons. D'abord, ça me permet de sortir plus vite que les autres. Mais la deuxième, c'est que je voulais laisser, en effet, l'espace pour moi le plus ouvert vers le monde à mes collaborateurs. Je pense que travailler dans un bel endroit génère du bien-être et donc pour un employeur de manière très schématique, eh bien automatiquement de la pérennité et de la performance. Paris est à 40 minutes, on a deux aéroports pas très loin, on a une gare TGV, je revends pas le VDE, mais pour nous c'est aussi un espace de vie absolument génial. Première capacité managériale, c'est aimer les gens avec lesquels on travaille et prendre conscience que ces gens-là, on a besoin de les écouter, de travailler avec eux. À partir de là, ensuite, on peut créer, j'allais dire, des choses toutes simples, des événements. Trois fois par an, on essaie de sortir ensemble ailleurs. Là, on vient de sortir au canoë kayak, on fête les anniversaires. Ça peut paraître bête, mais c'est important. Des choses assez simples permettant de vivre ensemble des passions ou vivre ensemble des événements, des émotions qui sortent du cadre professionnel. Et on a la chance de pouvoir, en allant déjeuner dans un périmètre de 500 mètres, de saluer 4 ou 5 clients tous les jours, d'aller en effet à 3 km rencontrer un dirigeant d'entreprise architecte, un expert comptable local. Alors c'est vrai qu'on le développe dans toutes les villes, mais il y a une accélération importante sur le Val d'Europe. C'est un espace idéal de rencontre commerciale, de vie. Ça peut paraître philosophique de participer à la création d'une ville, mais on a le choix, j'ai eu ce choix, j'y participe tous les jours, j'adore.